Bonjour, bonjour. Leçon 274. Cette journée appartient à l'amour. Je ne craindrai rien. Père, aujourd'hui je voudrais laisser toutes choses telles que tu les as créées et donner à ton fils l'honneur dû à son impeccabilité. L'amour d'un frère pour son frère et son ami. Par cela, je suis rédimée. Par cela aussi, la vérité entrera là où étaient les illusions. La lumière remplacera toutes les ténèbres et ton fils connaîtra qu'il est tel que tu l'as créé. Une bénédiction particulière nous vient aujourd'hui de celui qui est notre Père. Donne-lui cette journée et il n'y aura pas de peur aujourd'hui parce que ce jour est donné à l'amour. Alors, que signifie cette première phrase, Père? Aujourd'hui, je voudrais laisser toutes choses telles que tu les as créées et donner à ton fils l'honneur dû à son impeccabilité, l'amour d'un frère pour son frère et son ami. Par cela, je suis rédimée. Par cela, etc. Je voudrais laisser toutes choses telles que tu les as créées, sans commencer à tout juger. Et même avant de juger, préjuger, puis juger, ce qui ne fait que modifier, illusoirement bien sûr, mais modifier la création telle qu'elle a été. Créée par Dieu, impossible de voir le monde réel si on juge, si on préjuge, parce que il n'y a qu'un esprit qui ne s'agit pas, qui ne juge pas, qui peut constater le monde réel. Dès qu'on juge, dès qu'on pense, on transforme tout, on projette une peinture fausse sur le tableau du maître. Donc, aujourd'hui, je voudrais laisser toutes choses telles que tu les as créées, Père, et donner à ton fils l'honneur dû à son impeccabilité. Si je passe ma journée à me sentir coupable, à avoir peur, je ne donne pas l'honneur dû au Fils de Dieu, car j'affirme dans mon esprit qu'il n'est pas impeccable. L'amour d'un frère pour son frère et son ami. Voilà. La lumière remplacera toutes les ténèbres et ton fils connaîtra qu'il est tel que tu l'as créé, s'il arrête de juger, en tout cas pour aujourd'hui. S'il veut bien accepter son impeccabilité sans laisser la voix dans votre tête dire non, non. Et s'il aime l'amour d'un frère pour son frère et son ami. Voilà, c'est la recette magique, j'ai envie de dire. C'est un bon mot, mais c'est la recette. Ne pas juger, être vraiment humble, se dire qu'on ne sait rien, qu'on ne connaît rien. Aimer son prochain et surtout croire en son impeccabilité. C'est la recette pour changer d'identité, pour se souvenir de qui on est. Ok, voilà. C'est ce qui nous est expliqué aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.